Ah. Ouh, tempo d'y aller l'affronter, ce squelette. Ah, justement ce que je voulais. Bon, c'est rendu le temps de rentrer mon nom. Une chance que mon nom ait 12 caractères précisément. Champion MCL. Parfait. Yeah! Je suis grand maintenant! Ça y est presque! C'est fini. Bon, je pourrais en profiter pour vous parler d'une ouverture après cette animation. De Bowser qui est en train de détruire le village comme d'habitude, qui est toujours en train de tout voler, détruire, etc. On s'entend? Oh non! Bowser a enlevé la princesse Peach! Il a aussi détruit le château et fait fuir tous les Toads! Qu'est-ce qu'on va devenir? Je sais, je vais prendre de l'avance. Rejoins-moi au labyrinthe. C'est où le labyrinthe? Trouve, tu veux le sourire. Majesté! Ah, c'est vrai, c'est rien là qui parle. Majesté, n'approchez pas, c'est des sorciers. Des sorciers? Qu'est-ce que ça fait là? Des sorciers? Faut se poser dans le retard. Justement, dans faire fort, les sorciers sont présents. C'est que ça c'est... La magie est présente. Quelqu'un de la royauté, c'est parfait. Faire pression au roi qui refuse d'écouter le peuple. Je vous demande de quitter les lieux immédiatement. Je suis désolé, mais je reste ici. Pour passer, il y a deux façons avec nous. Soit vous payez, puis nous on s'enrichit. Ou vous faites le labyrinthe dans vos vestes qui périlent. Ça serait pas pire qu'en prendre quand même. Ça c'est... attendez, ça c'est si vous sortez... Ok, ça c'est... Ça, c'est si vous sortez vivant de là. Si vous ne quittez pas, je vous fais pendre en utilisant la torture. Là c'est Carlin, j'ai oublié de mettre une image de Carlin. J'ai pensé tout de suite au sommet d'aller chercher tout de suite lui. Je suis sûr que je le prends au sens inverse, ça se rangerait même pas. Et on le fait, pour le fun. Ben oui, je vais le faire. Bien évidemment, on voit rien. Je fonce partout, je fonce sur le poteau dont je l'ai pas vu, mais il est tellement évident à voir. Je suis pas concentré, je regarde pas. Je fonce j'ai fait refoncer par le tout. Waouh. Je sais que c'est du réalisme, mais pas 100% réaliste. Hey, théoriquement ça reste du compte freiner puis avancer, mais non il recule quand même. N'importe quoi. Faisons le test. Ben oui. Même du sens inverse ça fonctionne. On y va. Bon, c'est où le prochain arrêt? On s'en fout si on est d'un côté ou de l'autre, on s'en fout. On fait n'importe quoi parce qu'on est des fantômes. Donc c'est nous. Oh, je pensais qu'il était de l'autre côté. Honnêtement, je pensais qu'il était de l'autre côté. Hey. Merci. Un peu comme... je sais pas. Je pense à une affaire... Popo. Faut-tu avancer? Merci. Logiquement, j'aurais même pas pensé. Logiquement...
Je suis vraiment foncé dedans. Ben oui. Je peux foncer dans les arbustes sans problème. Wow. On entend quand ça... C'est ça qui est important. Et on fonce dans les citrouilles, ça fait quoi? Ok, un obstacle. Je vois pas que les citrouilles c'est si solide que ça, puis ça se brisait pas par contre. Ok, l'équipe de retour à la rétro commence à se rattraper. Un ancien c'est là que j'ai prêté. Oup, oh là. Ah fuck. Non. Hey, j'ai failli mourir là. 100%. Symbole de salut, puis télépause pour pouvoir lire. Ok, au moins, je pense qu'on a le temps de lire. Très poétique. En gros, qu'est-ce qu'il veut dire là, c'est... Allez, joue, puis tatoué. Bon.
Si vous voulez, on peut mettre là le beau... le générique de Steelers. Avec... mon dieu. Ok. Et là, je dois dire que, Evental, tu fais des putains de dessins. Et même si ton pseudo ne se dit pas comme ça, j'en ai rien à foutre, c'est comme ça que je le dis. C'est absolument incroyable. Tu dessines, c'est complètement cinglé. Et au début, c'était serré, voilà, et il y a un petit dernier qui s'est ajouté, qui a pris tous les votes, dont moi. Et en fait, c'était Sushi qui avait gagné avec, ben voilà, mon logo en mode hentai, je crois. Donc, mode tentacule et tout, pff, voilà, possédé, style Halloween. Mais, c'est cette banane, mais absolument mignonne, qui gagne. Mon cœur fond. Le Geekfest? Mais pourquoi le Geekfest? T'as déjà fait une vidéo sur le Geekfest. Pourquoi en faire un autre alors? Et pour finir la journée, il y a eu une conférence. Des pouilleux. Ouais, les pouilleux étaient là. Avec Tuxani, Zach le boss, Dink Sharpo, ainsi que What the Fuck Kev. C'est qui pas peur à chaque fois que je veux le romancer? Ben non, je peux pas. Oh, yes! Il doit pas être content. Vous voyez, 43% lui. Moi, vu que j'ai moins de pourcentage, mais je l'ai parce que j'ai une étoile. Yes! J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, Twitter... ou encore aller visiter mon site internet dans le lien et sur la bannière de ma chaîne YouTube. J'ai eu le truc. Je vais le viser maintenant. Et c'est réussi. Wouhou. Ah, juste avant de quitter. Yes! Encore là, ça aurait été juste une étoile. Hein? Même pas! Deux étoiles! Oh, ça finit bien la vidéo. Oh, mon dieu. Je pensais pas que ça aurait fini aussi bien que ça la vidéo.